Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors moi je suis ici en Irlande, à 1h30 environ au sud-ouest de Dublin. Effectivement, ce cadre est exceptionnel, c'est un hippodrome très connu en Irlande. Et puis c'est aussi le lieu du salon du machinisme irlandais, comme vous le voyez. Il va y avoir du beau matériel dans cette émission. Je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, vous avez vu ça? Dans cet épisode de Power Boost, l'ami Jean-Paul est parti en Irlande, rien que ça. Alors, va-t-il ramasser un trèfle à 4 feuilles qui nous fera dépasser les 40 000 gemmes sur notre page Facebook? Ou va-t-il ingurgiter trop de whisky et finir par rouler sur les tables du salon agricole? Vous le saurez, peut-être, dans les 11 minutes à suivre. Néanmoins, vous pouvez être sûr que vous saurez tout sur l'économie du pays, que vous allez rencontrer un agriculteur français venu travailler là-haut et un tracteur classe à la cabine panoramique très bien pensée. Et si la France vous manque, on fait un petit retour sur événement du salon rétromobile qui s'est déroulé à Paris. Allez, sans attendre, c'est parti pour les news. Enfin, un site internet qui permet de partager des solutions pour une agriculture durable. Pas de blabla, que du concret. C'est le site officiel lancé par Phare pour permettre aux agriculteurs de trouver des solutions s'appuyant par exemple sur des outils d'aide à la décision. Et d'après nos sources, que nous ne citerons pas comme tout bon journaliste, on devrait même y trouver bientôt des solutions en rapport avec le machinisme. Et en plus, c'est gratuit. Alors, pourquoi s'en priver, hein ? Gary Ryan, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez à la fois les constructeurs et les distributeurs de matériel agricole en Irlande. J'ai deux questions à vous poser. La première question, quels sont les chiffres clés, un peu, de votre industrie ici, en Irlande ? So our industry here, which would be, you know, agriculture is a very important business in Ireland, the biggest business in Ireland. Our farm machinery business locally, our domestic sales of machinery, service, tractors, about 550 million euros in Ireland. And in terms of export sales, another 250 million euros, quite a bit of it to France. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques tendances un peu du marché de, et puis des ventes de tracteurs en Irlande? I think our tractor market is a bit like the French market. It's been under pressure in recent years, following the, you know, the economic troubles in Ireland. The tractor market fell by 75%. It has now recovered. It's about 2,000 new tractors, and those tractors are getting bigger and bigger. 10 years ago, the average tractor in Ireland, 90 to 100 horsepower. Now, 130 to 150, and the 200, 250 are probably 25%. And the market, the demand is for bigger tractors all the time. Merci beaucoup. And merci. Eden McGrath, bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais besoin de quelques idées sur la santé économique aujourd'hui en Irlande. J'ai l'impression que tout va bien en Irlande. Yes, the Irish economy has suffered in the last 5 to 7 years, like a lot of European countries. But in the last 2 or 3 years, we have come back very strongly. And our unemployment is now down to just over 10%. And we're expecting a 3.7% GDP growth in the current year. Pourriez-vous caractériser la taille moyenne des exploitations ici en Irlande? Yeah, there are approximately 120,000 farmers in Ireland. The average farm size would be around 60 to 70 acres, and the average herd size on the dairy side would be around 60-65 cows, with the average dairy farm size. Alors, on voit de plus en plus des constructeurs irlandais sur le marché français. Pourquoi sont-ils intéressés pour exporter sur notre marché? Yes, we have a number of Irish companies already exporting to France. Our machinery particularly suits the climate in the northwest of France, where the climate is not dissimilar than Ireland. And I think our machinery is innovative, it is well constructed and suits the Irish climate. And if it works in Ireland, it will work anywhere else. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous le savez certainement, c'est au 19e siècle qu'il y a eu une grave maladie de la pomme de terre, le mildiou ici, qui a ravagé les cultures et qui a entraîné d'ailleurs une famine importante et l'immigration de nombreux Irlandais vers les États-Unis notamment. Alors la pomme de terre, c'est une culture qui est toujours très importante en Irlande. Je change totalement de sujet pour vous parler d'un salon qu'on aime bien, c'est le salon Rétromobile. Alors chaque année, on essaye d'aller y tourner. Cette année, il y avait une équipe et vous allez voir, c'est pas des nouveautés, c'est matériel ancien, mais c'est quand même intéressant. Avec ses 70 tonnes et son confort jugé supérieur à celui rencontré dans les tanks des troupes alliées, le Tigre a été un redoutable prédateur sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été un des points d'attraction du salon Rétromobile qui s'est déroulé du 4 au 8 février 2015 à Paris.
Les plus vieux d'entre vous apprécieront la larme à l'œil, la Renault 16 qui vient de fêter ses 50 ans. Voiture emblématique de toute une génération, durant les années 70, la R16 se démarquait par des motorisations assez nerveuses, un profil défilé, un haillon arrière pratique, même si cette voiture avait la mauvaise réputation d'être souvent une habituée des garages. Les plus jeunes ont pu apprécier à Rétromobile l'Alpine Vision Gran Turismo, une réplique grandeur nature du bolide vedette du jeu vidéo Gran Turismo 6. Vous allez voir, je vous ai trouvé un franco-irlandais. Bonjour Patrick Deneschaud. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous, vous travaillez pour Samco, vous êtes installé ici depuis une vingtaine d'années, mais vous êtes de Bordeaux. Oui, je suis de Saint-Emilion à l'origine. Et donc il y a 20 ans que je suis en Irlande. Je suis citoyen français, résident en Irlande et travaillant en France pour une entreprise irlandaise. Alors on dit que l'Irlande c'est très attractif pour différentes sociétés. Est-ce que c'est facile de s'implanter? Est-ce que l'ambiance est bonne? Oui, l'ambiance, l'Irlande, pour quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, je pense que l'Irlande offre beaucoup plus que la France. Ici, on ne vous demande pas d'avoir des diplômes. Si vous êtes capable de faire le travail, on ne va pas vous poser de questions, on va vous donner votre chance. Je crois que la France vous énerve un peu, pourquoi? Des fois, je trouve que les Français, la France est trop rigide. 35 heures, je ne sais pas, enfin moi, ici, si vous travaillez 70 heures, personne ne va vous empêcher de travailler. C'est vrai que vous allez payer des impôts, mais bon, ça après, chacun son problème. Mais bon, c'est la vie. Alors, si on parle un peu des semoirs, effectivement, Samco, c'est la capacité à semer et en même temps mettre un film plastique pour forcer la levée et puis la pousse. Concrètement, vous en avez vendu beaucoup en France? Ça fait quelques années qu'on vous voit? Oui, il y en a à peu près, en France, il y a à peu près 60 machines qui traînent, qui sont en France. Ça s'est beaucoup développé sur 2011, 2012, 2013, un peu 2014. 2015, ça ralentit un petit peu parce que, bon, avec les cours du maïs qui se sont effondrés. C'est vrai que bon, le surcoût pour l'implantation du Samco fait que les gens, bon, des fois la différence n'y est pas. Et le plus gros problème qu'il y a eu, c'est l'année 2014, qui a été très très bonne avec en maïs. Même sans Samco, les gens étaient capables de faire du maïs. Donc ils se posent un peu des questions. Mais bon, si on a une année un peu pluvieuse en France, ça va repartir. Alors Patrick, moi je vois un gros problème. Bientôt il y a le tournoi Destination, la France va gagner l'Irlande. Vous allez être quoi, français ou irlandais? Ça dépend, mais en principe, je suis français quand même. Mon cœur est français au fond. Patrick, merci beaucoup. De rien, vous aussi. Au revoir. Alors vous savez, c'est une des médailles d'or du prochain CEMA, mais on va vous expliquer pourquoi cette cabine panoramique est innovante. Trevor, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez réellement en quoi cette cabine panoramique est innovante. So, en anglais, there are two things very important about this cabin. One is easy to see because it's the visibility. You've got very, very good visibility of a loader all the way up and down. But the second and really important point is the security, because this cabin has all of the normal security regulations of any other cabin, but without that bar on the front, which normally would block your vision. And to design and engineer a cabin with the same level of security and visibility is actually very difficult to do. Alors, je vois que vous présentez aussi ici donc les nouveaux Atos, ceux qui sont faits en collaboration avec Sam Dutphar. Alors, on les a déjà découverts à Bologne. Vous les lancez ici, pourquoi? Parce que c'est le cœur du marché. Okay, so the Atos is launched here in Ireland today for the first time. This is our first full public launch, and we're waiting for the pricing, which will come shortly. So we will expect this tractor to be in farmers' fields in the summer this year. It's a really important sector. One third of the market is at 110 horsepower and below. So this will replace in the future our Atos tractors, which currently are about one third of our volume. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Simon Cross, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vraiment intéressant parce que quand je vois vos brochures, vous indiquez que vos matériels sont plus robustes. Effectivement, les matériels irlandais seraient plus robustes que les autres dans les pays européens. Pourquoi? Ça veut dire que les agriculteurs irlandais sont plus violents avec leur matériel? No, not. It's because of our weather conditions are very wet and a damp climate. And then also we like lots of horsepower. We have stones, lots of stones in the ground. So we have to make our machinery very heavy for those reasons. We don't have the lovely climate France has, where we sunshine every day. We've rain in the morning. We got to go out and sow our seeds after dinner. D'accord, mais ok. Mais est-ce que vous pourriez me montrer un endroit où vous avez plus renforcé le matériel?
Yes, the joints on the rollers, the rings on the rollers, the rings are made of steel so that if they hit a stone, they do not break. Simon Cross, merci beaucoup. Thank you very much and hope the weather keeps up here for the week. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tamco, c'est le principal concurrent de McHale ici en Irlande. Alors Adrien, bonjour. Bonjour. Alors vous lancez ici dans le cadre de ce salon un nouveau modèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences par rapport à la précédente génération ? Basically, Tamco started with the 1300 machine 25 years ago, developed the 1320 in the background about 8 years ago, and now we've developed the new Variwrap range. Basically, the options are you have either one, two, or three wrap arm options, and you've also the option of the long loading arm where you can keep forward drive in loading and wrapping the bales. So it completely eliminates the operator having to reverse into the bale, load the bale, wrap the bale, and drive forward. Now the operator can simply drive into the bale, it loads automatically, wrap the bale, and then drive forward. So consistently forward drive for the operator. Concrètement, en matière de rendement, qu'est-ce que cela vous permet de plus ? So this machine is capable of wrapping up to 80 to 85 bales per hour on average 6 layers of plastic. So we've gone from 30 bales an hour up to 60 with the 1320 and up to 80, 85 with this machine. Merci beaucoup. And merci. Au revoir. Alors, je vous ai trouvé quelqu'un qu'on connaît bien en France, Rolf Amendinger, bonjour. Ah, bonjour. Alors, j'ai une question à vous poser. C'est vrai qu'en Irlande, on sait qu'il pleut un peu, voire beaucoup. Est-ce que ça veut dire que les éleveurs ont un matériel surdimensionné pour la fenaison, par exemple ? C'est vrai qu'il pleut beaucoup. C'est pas tellement les éleveurs eux-mêmes qui ont du matériel surdimensionné, c'est plutôt un marché pour les entreprises agricoles. Étant donné que le temps est court, qui est disponible pour la fauche et ensuite aussi pour l'enfilmage, l'ensilage, parce que du foin on en fait moins, étant donné qu'il pleut souvent. Donc c'est plutôt donc, le job pour l'entreprise agricole. Et là on demande du lourd, on demande du matériel renforcé, des boîtiers surdimensionnés, etc. Donc c'est très spécifique ici. Voilà. Deuxième question, j'ai cru comprendre que ça allait bien pour le secteur laitier actuellement. Oui, donc c'est l'année dernière et puis ça continue, les prix du lait sont très intéressants. Ça a boosté complètement le secteur, tout ce qui est lié à l'herbe, les faneurs, les presses, les faucheuses conditionneuses. Ça a été une année fantastique pour ces matériels-là. Donc on est très content aussi en tant que Kvernaland. Rolf, merci beaucoup et puis on se retrouve au CIMA. À bientôt alors. Pas mal le look du tout nouveau tracteur M771 Premium de Kubota et puis vous voyez là, il a des vitres teintées. Alors pour finir, quelques petits conseils, si vous voulez être au courant, parfaitement même au courant, je dirais, de l'innovation en agriculture, je vous le dis souvent, c'est sur le site www.agriculture-nt.com qu'il faut aller chercher les bonnes informations. Alors un rendez-vous, si vous allez au salon de l'agriculture, vous savez que nous avons un plateau TV sur lequel nous allons interviewer différentes personnalités, sur lequel nous allons enregistrer de nombreuses émissions et on parlera aussi de matériel et d'innovation. Alors si vous allez à Paris fin février, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ce plateau TV. Vous serez bien sûr les bienvenus. Il se trouve dans le hall 2-2 sur l'espace Planète Semence. Voilà, notre émission Power Boost que nous avons tournée ici en direct d'Irlande touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Salut!